C'est une forte délégation constituée des ambassadeurs africains venus rencontrer la première citoyenne de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, c'est mardi 12 octobre 2021. 6 au total, parmi lesquels 4 ambassadeurs, à savoir celui de la Tanzanie, de la Zambie, du Sénégal, de l'Éthiopie et 2 délégués, notamment du Burundi et du Cameroun, ont été reçus par Fifi Masuka Saini dans son appartement à Jepem Katebi Beach, les quartiers généraux de la Semaine congolaise du tourisme au Lualaba. Après près d'une heure d'échange, ces diplomates africains ont salué la bravoure et la ferme volonté de Fifi Masuka Saini de faire du tourisme un véritable moteur des croissances économiques en invitant le pays représenté à investir dans la province du Cobalt. Madame la gouverneure a fait une excellente présentation des potentialités de la province en termes d'infrastructures, en termes de minerais, en termes d'ambition de production électrique. Donc, un certain nombre de besoins que cette province a donc pour être développée. Ces ambassadeurs se sont félicités en outre du sens d'ouverture des Fifi Masuka Saini à pouvoir tendre la main pas seulement aux investisseurs occidentaux, mais aussi à ceux du continent noir pour redynamiser les secteurs touristiques au Lualaba. Le gouverneur a compris que cette affaire n'est pas seulement l'affaire des grands pays. Les pays africains ont également leur expérience, leur expertise à apporter pour la construction du Lualaba. Nos échanges ont surtout porté sur ça et chacun d'entre nous a essayé de montrer l'intérêt qu'il y a. Et ce dont on a convenu avec Madame la Gouverneure, c'est d'organiser des visites d'études et d'échanges d'expériences avec nos pays différents dans le cadre donc de cette promotion du Lualaba. Et nous nous en félicitons vivement. Signalons qu'après son échange fructueux avec ses diplomates africains, c'est tard dans la soirée que Fifi Masuka Saini a été dans la salle où sont constitués les panels. Accompagnée du ministre du Tourisme Modero Simba, la femme numéro 1 du Lualaba a poursuivi avec la série des visites des stands. Et Fifi Masuka Saini, les gouverneurs intérimaires de la province du Lualaba, était entre autres au stand du Nord Kivu, du Kwilu, et celui réservé pour la promotion de la riche culture du Lualaba. L'autorité provinciale et les ministres du tourisme ont reçu chacun les présents des sculptures en bois représentant la technique de pêche du coin. Le Wagenya, les symboles des pêches dans la province de la Tchopo. Déterminé à changer les visages du Lualaba dans tous les domaines, dont celui du tourisme, Fifi Masuka Saini travaille durement, parfois jusqu'à tard dans la nuit, juste pour matérialiser la vision politique